Loin vers l'infini s'étendent de grands prés marécageux. Durant l'année 2006, nous avons réalisé un DVD sur les crimes contre l'humanité. Nous avons suivi au cours de nos voyages un déporté, Jean Léger, dont l'histoire nous a beaucoup touchés. À travers ce film, vous découvrirez à votre tour son histoire. Dans le camp morne et sauvage, entouré de murs de fer. Les élèves sont très attentifs, car dans celui de mémoire où Jean Léger a vécu sa déportation, l'émotion est très forte. Et du sang, des cris, des larmes. La mort pour celui qui fuit. Jean Léger nous raconte l'horreur avec lequel les SS dirigeaient ce camp. Aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Libre enfin, ô ma patrie, je dirai tu es à moi. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Mais c'est là, dans cette gare plus exactement, sur le quai qui est juste derrière, là, que je suis arrivé deux fois à cette gare de Rotteau. La première fois en provenance de Paris, dans un wagon de voyageurs d'ailleurs, tout à fait confortable. Mais l'arrivée sur le quai a été assez mémorable. Et je me souviens qu'en particulier, on avait avec nous un handicapé qui avait une jambe qui était très très malade. La première fois que je suis arrivé, il y avait de la neige ici. Début de mars 1944. Et on nous a enfournés derrière, là, dans un espèce de camion à allure frigorifique qui était tout petit d'ailleurs. On nous a bourré 42 ou 43 hommes là-dedans. Et le pauvre handicapé, lui, a été littéralement massacré. D'ailleurs, je ne l'ai jamais revu après. La seconde fois que je suis arrivé dans cette gare, nous revenions du commando de Corrèze, un commando particulièrement meurtrier. Et quand on disait meurtrier au Strotov, c'était quelque chose. Nous avions été embarqués après le travail, c'est-à-dire 12 heures dans la poussière d'un tunnel que nous aménagions en une usine souterraine. Et au cours des 3 nuits et 2 jours qu'a duré le voyage, des gens étaient morts de soif. D'autant plus que les SS qui étaient dans le wagon nous aspergeaient de poussière pour augmenter notre malaise. Et lorsque nous sommes arrivés à la gare de Rotteau, il pleuvait. Bénédiction, bien entendu. Les hommes qui descendaient du wagon se sont précipités sur le quai où il y avait des flaques d'eau et malgré les coups, malgré les morsures de chiens, se sont mis à boire dans les flaques qui restaient sur le quai. Et c'est ainsi que nous sommes remontés au Strotov, pieds nus, parce qu'on nous avait enlevé nos chaussures, les pieds dans la boue. C'est d'ailleurs la première vision qu'on avait lorsqu'on arrivait au camp. C'était ces types qui n'avaient plus d'âge, qui n'avaient même plus de corps, hein, et qui n'avaient plus de regard. C'était ce qui vous frappait lorsqu'on entrait dans ce camp. Et ça, en plus, qui s'accompagnait de l'odeur, cette odeur très particulière de camp des camps de concentration, cette odeur à la fois de cochon grillé exactement, et aussi l'odeur fadasse de la dysenterie. J'ai passé 18 mois, 4 mois de prison, 14 mois de camp, sans jamais boire un verre d'eau. Alors tous les prisonniers étaient donc alignés sur ces emplacements, là-haut au centre. Il fallait apporter nos morts. Les blessés devaient se tenir debout, aussi, quels qu'ils soient, aussi malades qu'ils soient. Et c'est là qu'on comptait les gens, quelquefois. Ça pouvait durer plusieurs heures. Et cette route était déjà faite. Et ma participation a consisté à élargir les virages pour que les gros camions puissent accéder là-haut. Bon, ma première corvée a été de déglacer cette route
parce qu'elle était couverte de neige tassée et de verglas. Et on l'a déglacée sans aucun outil mécanique. Tout à la pelle, à la pioche et la brouette qui était l'instrument de transport des déblais. Et sous, bien sûr, les coups, et coups de cravache en particulier, d'un SS qui se prenait pour un officier de cavalerie, qui, contrairement à ses confrères, avait une cravache et cinglait au lieu d'assommer. Mais ça fait très mal. Il y a eu énormément de morts sur cette route parce que les SS profitaient de ce que les prisonniers versaient les déblais, si vous voulez, avec leurs bouettes du côté de la pente. Là. On profitait pour les pousser dans la pente et tirer dessus pour tentative d'évasion. Tiens, là, j'ai beaucoup travaillé dans ce virage. Et là, vous avez un sentier qui va jusqu'à la carrière. Là, le petit muret du coin, c'est moi qui l'ai fait. Le petit muret qui est dans le coin du virage. Et j'y suis resté longuement parce que c'était pas trop dur à faire. Et je ne gâchais pas ma chance d'avoir ça à faire. Au lieu de taper à la pioche dans les talus. Alors ici, un peu plus loin, vous avez la chambre à gaz qui est en dehors du camp et qui servait d'ailleurs de dépôt pour les marchandises qui étaient remontées au camp à dos d'homme.